Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreux en ces fêtes de Noël. Voilà, je voulais vous parler en fait d'une démarche d'esprit. Vous savez, quand nous regardons les ventes aux enchères, les catalogues, on exerce une veille sur tout le marché de l'art, évidemment, ce qui est le fruit année pour l'exposition, ces temps de réflexion. Et de temps en temps, il y a des objets qu'on voit passer en vente et qui entraînent un petit déclic de réflexion sans qu'on apporte forcément des solutions. Et c'est le cas de cet objet qui est une photo repiquée dans un catalogue de vente pour un écran qui est dit chinois, qui semble être en bois dit de fer et qui me semble être un montage fait au moins pour l'export européen, puisque c'est un écran qui doit faire une hauteur de cheminée normale et qui est, comme vous le voyez, d'une conception assez particulière avec un montage d'un panneau en émail cloisonné type canton et en bas, en partie basse, un centre de plat en porcelaine de la famille verte qui est monté dans cette monture. Cet objet me fait irrésistiblement penser, lorsque je le vois, à cette... Ah, tiens, voyons. Excusez-moi, je ne suis pas toujours très au point. Voilà. Ici, vous voyez en partie blanchi le croquis d'un cahier dont on ne connaît malheureusement plus la localisation et qui, en fait, sont les cahiers de fabrication d'une entreprise, d'un magasin de nouveautés qui était un magasin extrêmement célèbre dans le Paris du 19e siècle et qui s'appelle l'Escalier de Cristal. Ce magasin de l'Escalier de Cristal avait une historique assez prestigieuse puisqu'en fait c'est un magasin qui ouvre vers 1804 dans les galeries du Palais Royal, la galerie de Valois exactement, et qui très vite va se faire une spécialité des montures de bronze très sophistiquées sur des cristaux. Cristaux qui ont des origines assez variables en réalité, et c'était tenu par une dame qui s'appelait la veuve Desarnaud. Ils ont fabriqué des objets de grand luxe qui étaient très intéressants. Cette veuve Desarnaud, dans les années 1840, va céder cette boutique qui a une réelle notoriété, et de cette boutique va sortir notamment la toilette de la duchesse de Berry qui est conservée au Louvre, qui est un objet extrêmement célèbre, qui sera présenté dans l'exposition des produits de l'industrie et qui est un objet très spectaculaire de démonstration avec des plaques de cristal, qui est visible d'ailleurs en ce moment dans l'exposition Baccarat, bien que les plaques ne soient pas tout à fait certifiées comme étant de Baccarat. Toujours est-il, bon, pour revenir à notre écran, vous voyez dans cette liste, dans ce carnet, des petits croquis qui avaient été publiés par Philippe Thiébaut, qui était conservateur dans la maison, et qui étaient conservés dans les mains des descendants. Et malheureusement, on a perdu la trace de ces croquis qui sont très précieux. Et vous voyez un petit écran qui est cité, donc écran rond, plaque de cristal, décor thomasin, puisqu'on sait donc. Voilà, et puis l'ébéniste et bronzier. Et dans la marge sur le côté droit, ici, vous avez en fait huit noms différents, dont les Rothschild apparaissent, etc., qui sont en fait les noms des huit commanditaires, et donc on sait qu'il y a eu huit exemplaires de cet écran.
Mais cet écran, pour vous le montrer, en fait, il est conservé dans les collections du musée, pardon, et c'est en fait celui-ci. Et vous voyez bien la similitude de construction qui existe entre ces deux objets, avec mon principe circulaire, deux supports et un encadrement rectangulaire, des pieds en nuages qu'on retrouve sur l'exemplaire dit chinois. On considérera qu'il est chinois, je ne l'ai pas vu en dehors du catalogue de vente, et on considérera qu'il est en bois de fer, bien que l'on pourrait là aussi s'interroger pour savoir si ce n'est pas aussi une création faite dans un des magasins de nouveautés du Second Empire sur la place de Paris avec des éléments venus de Chine, ce qui est tout à fait possible. Dans tous les cas, pour en revenir à l'écran des collections du musée d'Orsay, qui est donc celui de droite, vous voyez un écran qui est en fait en palissandre, qui a une très belle plaque de cristal gravée d'un coq, tout à fait d'inspiration japonaise, et avec des montures de fleurs de pêcher, un masque qu'on pourrait rapprocher des taotiers chinois, et entre les pattes, dans le vide laissé, un oiseau échassier type des marais. Voilà. Et, mais ce qui est très symptomatique de la production de l'escalier de cristal, ce sont tous ces bronzes qui sont les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul exemplaire que l'on connaisse, à dire vrai, enfin, ou que l'on croit connaître, et on s'imagine que tous les huit autres, enfin les sept autres exemplaires sont inconnus, et donc on les imagine pareils. Or, en fait, il n'en est rien, puisque voici un autre exemplaire qui est dans une collection privée, qui a perdu sa plaque de cristal, et vous voyez que ces deux objets font sans l'affaire une paire, et pour cause, il y a des variations sur la même idée, qui sont assez nombreuses quand on détaille l'objet, à savoir, vous voyez, il y a des patins qui sont plus lourds qui sont les mêmes pieds, un peu la chinoise, qui n'ont pas tout à fait d'ailleurs le même décor, on retrouve absolument la même conception, les moulurations sont différentes. En revanche, ce qui est évidemment incontournablement identique, ce sont les bronzes qui sont ici et qui traduisent bien la même provenance. Alors, vous voyez que la poignée, en l'occurrence, dans cet écran, est en forme de nuage, d'ailleurs modèle qu'on retrouvera chez Lièvre. Ce qui est intéressant, c'est que l'escalier de cristal est une maison qui va changer de nom à plusieurs reprises, puisqu'elle va s'appeler la maison Panier, puis Panier Laoche, Laoche Panier après, par des jeux de mariage et de succession diverses. C'est une maison, l'escalier de cristal, enfin, les propriétaires changeront de nom, voilà, mais gardera cette raison sociale de l'escalier de cristal jusqu'en 1923 où elle fermera. Donc c'est une maison qui a quand même une existence dans le produit de luxe à Paris sur plus de 100 ans. Ce qui est évidemment assez rare dans ces créneaux. Ils quitteront d'ailleurs le Palais Royal pour aller s'installer en 1872. Ils vont s'installer dans le quartier de l'Opéra, qui est évidemment le quartier du luxe à ce moment-là, et ils vont s'installer dans l'immeuble dans lequel est le grand hôtel au 6 rue Scribe, et donc vont réimplanter dans cette boutique qui tirait son nom de son escalier dont les rambardes étaient en cristal à l'intérieur, ils vont réimplanter l'escalier dit de cristal qui avait donné son nom à la maison et rester là jusque dans les années 23. Toujours est-il que pour en revenir à cet écran, vous voyez effectivement ces différences qui sont assez sensibles. Il y a évidemment une étude publiée par Philippe Thiébault laisse ressortir que les dessins de ces écrans sont attribués en fait à Henri Panier. Il se trouve que l'affaire est quand même complexe parce qu'en réalité, ce goût japonisant à la limite de la Chine, bien souvent, est très à la mode sous Napoléon III. Et un des grands dessinateurs de meubles dans cette inspiration, qui a donné un chef-d'œuvre au musée d'Orsay, qui est Édouard Lièvre, va décéder en 86. Et en fait, nous avons dans les collections un très beau meuble en forme de pagode qui est très célèbre, avec un panneau peint par deux tailles et qui est dû à Édouard Lièvre et qui appartenait à la famille Vieillard, les faïenciers de Bordeaux. À dire vrai, ce meuble de Vieillard, on sait qu'à la vente de Lièvre, les modèles de Lièvre, il y a eu deux ventes en 87 et en 90, et on sait que les modèles d'Édouard Lièvre seront vendus avec la possibilité d'exécuter les dessins. Donc il n'est pas impensable,
bien que le modèle en soit donné à Henri Pagnier, qu'en réalité, il y a une source d'inspiration d'Édouard Lièvre, parce que les choses ne sont pas tout à fait codifiées sur le papier. Et que c'est à partir des années 85, au moment où c'est les Pagniers frères, c'est-à-dire issus de ces mariages Laoche, Laoche-Pagnier, Pagnier-Laoche, il y a deux enfants qui sont les Pagniers frères et qui remettent au goût du jour un certain nombre de meubles d'après parfois les dessins de Lièvre, puisque en 94, ils présenteront pour la première fois à la galerie Georges Petit un second exemplaire du meuble de Lièvre que nous avons dans les collections, mais ça sera l'objet peut-être d'une autre communication sur l'objet, son double. C'est un objet que le musée d'Orsay a reçu en donation il y a peu de temps et qui est sous réserve d'usufruit chez la donatrice et qui donc de fait n'est pas dans l'exposition ces temps d'acquisition. Toujours est-il que voici une paire d'objets qui nécessitent à l'examen des petites, d'en saisir les nuances. Vous voyez l'écran du musée d'Orsay à droite a une mouluration plate qui est assez proche d'ailleurs de l'écran chinois, et alors que celui-ci a une mouluration beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus marquée, et toujours avec l'emploi de ces bronzes qui sont évidemment absolument les mêmes, ce qui évidemment est une véritable valeur de signature puisque ces bronzes sont en forme. Il est à noter au passage que l'écran du musée d'Orsay, ici, on ne voit pas très bien sur cette photo qui est prise de face, mais si vous le voyez en salle, il est présenté dans la salle japonisme au premier étage, et ici vous avez deux montants qui ont été rajoutés et qui sont en bois, découpés à jour et qui sont similaires à ceux-ci, en nuages qui eux sont en bronze. Mais là, ici, de chaque côté, vous avez deux fois le même motif découpé en bois qui, en fait, a été mis pour consolider les assemblages, parce que cet assemblage est très sophistiqué. Et en réalité, il y a beaucoup de systèmes de fragilité dans tous ces assemblages qui se cumulent avec le poids en plus du verre. Et donc, cet objet a tendance à avoir un ballon qui a été supprimé par l'ajout de ces choses-là, qui n'existaient pas dans le montage d'origine, ce qu'on voit très bien sur cette version-ci. Et ici, donc voilà, j'ai réuni ces trois objets qui font une paire, et donc voici une paire de trois objets qui n'en sont pas. Voilà. Mais c'était juste une petite vue d'esprit pour vous donner une petite représentation du mode de pensée et de réaction que l'on a sur les objets par assimilation, puisqu'évidemment, les objets ne portent pas toujours leur historique lié au corps.